voilà dans son cinquième épisode. Donc David nous a quittés. Donc maintenant il faut qu'on se parte en chasse de notre troisième mari. Donc je pense qu'on va aller faire un petit tour au musée. Au musée ça peut être sympa. Ça va changer un petit peu du bar où on va tout le temps, ou la salle de sport où on est allé. Le musée ça va être un endroit où on peut trouver des maris. Je vous assure, on peut en trouver. Donc nous voilà. Bon, elle est pas très contente. Alors, on a aménagé une belle salle de bain là, sur l'épisode précédent. On a un domestique qui vient tout le temps. Maintenant, il est 1h du matin. Bon, par contre, c'est très compliqué à 1h du matin de partir à la salle de sport. Donc, on va augmenter ses besoins. Et puis, on ira à la salle de sport après. Donc, on va cuisiner un sandwich au fromage. Comme ça, on aura les besoins à fond avant de partir. On sera tranquille. On pourra dragouiller là-bas et puis après, on le fera venir à la maison. Donc, notre belle salle de bain, hein. Je trouve très très belle. Je vais refaire la cuisine pour le prochain mari. Je sais pas, peut-être là aussi, une envie. Peut-être là, il est 2h du matin. On va d'abord rencontrer notre mari. Hein. On va tout nettoyer. Quoique, c'est moche. Hein. On va vous répondre. On va faire un petit peu de cuisine. Hein. Je suis désolée, mais ah, je vois ma cuisine, c'est pas possible. Hein. Allez, on vend tout et je refais, même la poubelle, je le vends. Donc, on va regarder cuisine. Donc, on va commencer par les plans. Donc, il y a les îlots zen qui étaient pas mal. Les plans de travail blanc. Je vais rester dans le noir, là, un petit peu où j'ai fait ma maison. Parce que ceux-là, ils sont pas en noir. Vous voyez, ils sont assis. Oui, c'est pas mal, celui-là en bois tech. Oh, c'est joli, ça. Pourquoi j'ai un mur de maison, là? Je peux le supprimer, oui. Oui, voilà, on supprime. Ou j'avais celui-là qui était pas mal en gris clair et. Oh, plein gris, il est beau. Hein. Voilà. Voilà. Donc là, on va faire un coin comme ça. Désolée, hein, je regarde un petit peu ce que j'ai. Alors là, on en a vu juste deux à voir. Voilà. Je sais pas pourquoi ils sont pas. Je veux qu'ils se collent et ils se collent pas. Ça fait pas joli. Là, ils sont bien collés, là, ils sont pas collés. Hein. Ah là 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 là. Voilà, là, ils sont collés. Maintenant, on trouve un bel évier noir. Ouh, celui-là, il est beau, celui-là. Oh, ça, c'est beau. Je suis désolée, hein, je m'extasie, mais... j'aime bien... Voilà. Un beau frigo, maintenant. Oh, oui, celui-là, il est pas mal. Hein. Ouais, mais qualité de nourriture, que 5, quoi. Ouh, qualité de nourriture. Wow, celui-là, c'est... le réfrigérateur d'amour qui tue, hein. Vous voyez ça, là, je suis passée dans la technologie, hein. Oup, je voyais pas son prix aussi. Pas ça, je me suis fait un petit peu avoir. Fiabilité de nourriture 6, c'est pas mal sur celui-là. Fiabilité 5, fiabilité 8. Oh, bah 10, je peux pas me le payer, hein. Donc on va prendre celui-là, on va rester dans la mode. Oui, voilà. Ah ouais, c'est super bon. Bon, mais il va falloir vite que je trouve un mari parce que j'ai plus de sous. Hein. Voilà. Ah ben un petit peu de design là, ça a revenu. Après... mais voilà, allez, c'est bon. On a une nouvelle cuisine. On a dépensé tout l'argent dans notre ancien mari. En refaisant la salle de bain à la cuisine. Bon, après, je referai le carrelage tout. Mais là, j'ai plus d'argent. Donc là, il est 3h du matin. Donc on va attendre vers 7-8 heures du matin. Voilà, on la laisse pleurer. Hein. Elle est triste hein, pour ses maris. Montre-toi de pleurer un petit peu. Il va dormir.
Voilà, comme ça le temps il passe plus vite. Voilà, 8h du matin. On demande c'est quoi? Appeler quelqu'un au téléphone. Voilà, allez. On va au musée. Parce que bon, c'est pas tout, mais il faut rencontrer ce mari, hein. On va avoir une belle maison au final, hein. Après, on va pouvoir mettre du papier peint. Plein de choses là sur les murs et tout. Donc, on a dit au musée. Donc, on va au musée. C'est parti. En avant. Très triste, mais bon, hein, on va changer un petit peu. Qui c'est qu'il y a au musée? Ah, Mathieu. Eh bien, on va discuter avec Mathieu. On va faire connaissance. Ah, Mathieu est déjà parti. C'est super, merci. Bon, qui c'est que... Ah, tiens, vous voyez, il y a ma Simset du Mono Challenge qui est là, Léa. Alors, qui c'est qu'il y a ici? Bon, y a pas énormément de maris là, ici. Pas de mari potentiel, il est parti. Bon, on va contempler hein, un petit peu. Hein. Ah, mais j'ai la mort qui vient, mais. Je peux pas marier avec. Bon, je discute avec les gens, hein, en attendant qu'il y ait un mari qui passe par là. Regardons si on a un mari qui passe par là. Non, oui, bah lui, hein. Non, 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 ça me va pas. Sur le parking, est-ce qu'il y a quelqu'un là? Non, il y a personne. Oh! Non, un ado, c'est pas bon. Bon, en fait, je pensais qu'il y aurait quelqu'un au truc, mais il n'y a que des femmes. Que des femmes. Bon, ben, on va changer de place, hein. On va aller ailleurs, hein. On va aller au bar, hein, puisque... Pas l'air de pouvoir avoir autre chose, donc... Hop, 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 et ben, des fois, ça arrive. Il n'y a personne au musée, c'est comme ça. On va au bar, alors. On se dit qu'au bar, il y a toujours des hommes, donc... bon... On espère parce qu'au musée il n'y avait que des femmes. Allez, priez, priez pour nous trouver notre prochain mari. Alors, faisons pause et regardons si je me suis pas trompée. Et non, je me suis pas trompée. Il y a Mathieu que j'ai essayé de draguer tout à l'heure, mais qui n'était pas là. Donc on va aller danser avec lui, qui est reparti au bar. Voilà, il est parti du musée pour aller au bar, quoi. Donc, ouais, mais il veut pas me parler, hein. Ah, il est méchant. Ça commence bien, ça va être difficile. Comment on va? Mais bon, c'est pas très, très grave, on va draguer Mathieu. Ah, mais le souci, c'est que je suis très déprimée alors. Ah, bah tiens, j'ai payé un verre. Moi, c'est encore 2 jours. Oh, c'est trop trop long. Faut que j'essaie de draguer là. Ah bah super, j'ai rencontré 2 méchantes aujourd'hui. C'est... Bon, tant pis, on monte. Pas très gentil avec moi aujourd'hui, hein. Mm-hmm.
Ouh, les masseurs, ouh. Mais nous, on veut masser notre vie, oui. Moi, je veux qu'il me fasse des massages. Est-ce que je lui propose un karaoké, il va accepter? Bon, allez, on teste. Ah, il a refusé. Bon. On va essayer de... Je vais fermer la conversation de groupe, je veux parler qu'à lui. Zarkini Lenard. Bon, ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer à la maison parce que bon, reste deux jours avant que je puisse. Je suis très très triste. Donc je vais rentrer à la maison et je vais vous reprendre quand j'aurai fini ces deux journées parce que là, ça va être très très long sinon. A de suite. Donc voilà, je vous reprends. Ça y est, l'état est un petit peu passé. Je suis en angeleuse et donc il y a Mathieu qui arrive sur le terrain. Bon, voilà, qui est là et il a l'air pas très très bien, mais bon, c'est pas très grave. Hein. Nous, on va pas commencer à regarder nos maris. Hein. On va inviter à entrer. Et puis après, on va commencer à le draguer. Déjà, on va voir notre état, notre relation. Ouais, c'est pas mal. Donc, je vais draguer. Je vais faire complimenter l'apparence. Ah, il est Mathieu, il est triste. Donc, on va essayer de draguer. Hein. On va essayer de changer son. C'est risqué encore. Voilà. Karenzi. Allez, on drague. J'ai pas le pion charmé encore. J'ai pas regardé, tiens. C'est... Charmé, c'est super pour ce défi là. Il faut que j'y arrive. C'est 2500, je suis à 1700. Il faut que je regarde. Demande d'avoir une relation sérieuse. Ouais, mais je suis pas encore là. C'est un petit peu dérangeant là. Faire crac-crac, je peux pas déjà faire crac-crac avec lui. Planifier un quart. Complimenter l'apparence. Je peux planifier un quart, donc on va sûrement faire un rencard. Draguer, amour, complimenter l'apparence. Je vais monter un petit peu en attendant et puis on va planifier un quart juste après. Donc ici il me dit embrasser Mathieu. Je vais monter un petit peu. Et puis je pense que je vais pouvoir l'embrasser un petit peu. Hein. Là, je suis dans la situation, ça tue la relation. Il n'est pas s'élevé encore. Hein. Voilà, très enjôleuse. Il me demande d'avoir une relation sérieuse, je veux bien, mais on va essayer de faire le premier baiser. Ça me permettra de finir là. Donc, amour, plus de choix, premier baiser. Regardons le premier baiser avec Mathieu. J'ai toujours pas eu ce premier baiser là. Ah, si j'ai eu le non, j'ai pas eu le premier baiser. Premier baiser. Voilà. Serapi. Zephyrs, ah, vous pouvez, tu peux pas bouger toi, tu peux pas aller ici. Voilà. Plus de choix, hein. Premier baiser. Mais c'est lui qui peut pas bouger, c'est ça? Mince, il veut pas bouger. Ah, je vais l'inviter à s'asseoir ici. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Aïe, 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 qu'est-ce qu'il faut pas, je vous assure. Hein. J'aimerais faire ce premier baiser. Voilà. On va faire monter les points. Squoom. Et voilà, notre premier baiser. Alors... avoir une relation morale solide avec 3 Sims en même temps. Ah, ça peut être un bon challenge, tiens. Mais c'est pas tout à fait ce que je veux pour le moment. Nous allons faire notre premier rencard
avec Mathieu au Bonne. prochain épisode. Là, on va faire notre premier crac-crac. Arsus, what is a Parce que là, il me bard? demande flirter. Oh, Alors, plus de yadabou? choix. So be On fera notre encart après. finar. Ou peut-être qu'on n'en fera pas du tout. Prendre une pause sexy. Snoosh me boon, Varric. Pachorg. Ah, Quaxenas, le Nargpalliva. Il me demande de raconter une blague salace. On va raconter une blague salace. Left parsec. Dom Sabuna, Arps, Oh, Aga and a Aga. Zeus. J'essaie d'avoir ces 2500 enfin. Enlacer quelqu'un. Donc on va enlacer. Enlacer. Il me demande d'être amical avec Mathieu. Donc on va faire complimenter. Discuter de son intérêt. Il y a un demande d'embrasser. I'm from Palashirsha. Oh, Avine. Rebalfa Clobim. Yasmiz Chorg. Shaven Ponsip. Grasha Sipu. Planifier un rencard. On va lui demander d'être son petit ami. Attention. Bruna. On lui demande. Et voilà. Voilà, maintenant c'est mon petit ami. Ah, bah il s'en va. Non, 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 non. Reste là, reste là. Bon, bah il s'en va. Donc, je vous dirais que c'est la fin de cet épisode. Hein, et je vous trouve à très vite pour le rencard ainsi que le mariage avec Mathieu.